faudra que je traîne le découlif, mais à part ça. À part ça, honnêtement, faut juste faire des runs. Hein. Ah, je sais. Je sais vraiment ce que je suis censé faire. Faut juste que tout s'aligne. Yo Azaroth, bienvenue. Azaroth. Entre Metal Slug X et Excalibur 2097. Ah, t'aimes bien souffrir, ouais. Non, moi je suis addict à Windwaker. Est-ce que c'est un problème? Pas sûr. J'ai pas regardé la moitié, oh. Je t'avoue, Yasuda. C'est quoi le raisonnement? Si t'es deuxième sur Excalibur, ça va? C'est-à-dire que si t'avais le double VR, c'est pas grave si le jeu il est terrible. Je speedrun un jeu, je déteste ça, mais honnêtement c'est pas grave, parce que j'ai le double VR. C'est ça le raisonnement? Oh la caméra, il veut pas bouger, quel plaisir. Ça. Ouais, ouais, it's not easy and well, Unbuffer Manual Super Swim is really, really, really like not usual, I guess. le bateau pirate. You can't be used to speedrunning a lot of games, but Manual Super Swimming is so unique. It's still like strange, I guess. So I feel you. Ouais, c'est bon, Yasuda. T'en vas, Faflo? Yes, ça marche. Je t'enverrai en DM la VOD du PB demain matin. Ça joue, mec. Merci d'être passé, comme d'hab. Le loup pourcent, ça m'a aidé, hein. Vraiment, y a pas à dire. Je suis devenu un peu plus régu. Hop là, sub 50. Et j'ai cru que je l'avais eu. J'étais en train de partir telle une fleur parce que je croyais que j'avais réussi le storage.
Oh, son père. Ça va être chaud. Je crois que j'ai un bon ISS et une bonne speed. Alors, on s'en sort. Le boost. Père. Je suis parti, j'étais une fusée. Hein. Reproduire des glitches pour le fun, à part ça, c'est tellement le début du speedrunning. Moi, c'est ce que je faisais au départ. Hein. J'étais juste en train de m'amuser avec des glitches. Et c'est tout. Et quelques années plus tard, boum, WR. Part de là, hein. Ça part de là. Mais non, Julgan. Mais non. Ah mais tout à fait, Julgan. C'est exactement le but. Si je savais monter sur une échelle. Voilà, bon. Le problème, c'est que je sais faire un buffer manuel super swim, mais je sais toujours pas viser des échelles, ouvrir des portes et ouvrir des coffres. C'est peut-être ça mon point faible, en fait. Mais ouais, le nouveau glitch, il est dingue. Hein. Le WR, il va tomber, c'est sûr. Moi ou Iwabi, s'il te plaît, respecte-moi. Je le déteste, je le déteste. Je l'ai toujours détesté. Que ce soit moi ou Iwabi qui va revenir sur le jeu là ce week-end, il va faire des runs. Le. Oh, vas-y. Le WR il va tomber bientôt, hein. C'est sûr. Oh bah attends, bah dommage, dommage. Je peux pas faire un bon Wind Waker et un bon FF1 à la suite. Impossible. Obligé de troll le FF1 quand j'ai un bon Wind Waker. C'est mathématiquement impossible de se rapprocher du sub 13 à FF1. Ouais, je sais pas si t'as suivi Julgan, mais on peut utiliser le Tingle Tuner. On peut utiliser le Tingle Tuner dans la tour de Ganondorf. Du coup, bye bye Middle Puppet Ganon Skip. Bye bye toutes les dingueries pour se faire heal par une fée que t'exploses avec des bombes pendant un zombie over. Maintenant, tout ce que tu fais, c'est que tu zombie over direct. Ok, maintenant tu zombie over direct dans la zone de chargement de Puppet Ganon et tu te fais heal. Ah, la potion de Tingle, une dinguerie en vrai. Une sacrée dingue. Là, heureusement qu'elle était pas rapide. Ouais, le PG skip, il est archi régu. Et c'est pour ça que ça va tomber. Parce qu'en fait, ça coupe les morphs over. T'as plus d'histoire de RNG avec les morphs et tout. Et c'est là qu'il y a le gros time save. C'est qu'il y a plus... En fait, t'effaces le split des morphs over. Dans toutes les KT. Plus besoin de s'embêter avec ces monstres de ces morphs. Ouais, c'est moi qui l'ai fait, l'input viewer Guitar Hero. Si t'as envie, je te le passe. Il est en ligne. Il est en ligne. Il est public. Mais par contre, je l'ai pas nettoyé. J'ai vraiment fait ça en deux spi. Donc vraiment, c'est du spaghetti code un petit peu. Donc le problème, c'est que... Cet input viewer, c'est... Si tu l'as, il n'y a que lui qui fonctionne et tous les autres ils crashent. Voilà. Vous êtes prévenus si vous le téléchargez. Moi je vous conseille d'avoir deux input viewers différents. Un Guitar Hero qui fonctionne uniquement en Guitar Hero et un autre qui fonctionne pour tous les autres. Parce que ma version Guitar Hero elle fait crash tous les autres.
Ouais, par contre, c'est vrai qu'il y a le Puppet Ganon cutscene skip du coup. Mais c'est très stylé et puis c'est pas si dur en vrai. Mais la tour de Ganondorf est incre. Le Light Arrow skip avec le zombie over là. Le seul truc, c'est que je devrais peut-être pas faire cette route là avec les deux door cancel parce que c'est trop dur, mais j'ai envie. Je suis sûr que Iwabi ce week-end il va faire une route sans les doubles door cancel. Il va faire une route où tu vas faire un zombie over à Forest Haven tranquille. Du coup, il va s'assurer de faire un 51. Mais bon, moi là, ici, fast only way, only fast way plutôt. On fait le double door cancel qui sauve une vingtaine de secondes. La route du double door cancel de ses morts. Mec, pour pas tomber après le saut avec la leaf pour Puppet Ganon Skip, je vois que tu bouges la caméra, c'est ça? Attends, quoi? Pas tomber? Ah, je target. En fait, le premier saut, tu dis, le premier saut qui te permet ensuite d'accrocher le pilier et d'aller out of bounds. C'est ça? Ce qui se passe, c'est que tu dois faire le setup de l'angle et ensuite tu target et haut en même temps. Si tu fais seulement haut, ça fonctionne pas, c'est en fait. Le setup, il est là pour que tu puisses target et haut en même temps pour sauter avec la leaf. C'est ça qui bouge la caméra. Ouais, Wabi, il a dit qu'il trouvait ça dur, le double door cancel. Mais c'est normal, c'est dur. Hein. C'est vraiment dur. Ouais, pour le PG cutscene skip. Ouais. Et j'étais pas sûr de quand tu parlais. Ouais, du coup, il y a moyen qu'Iwabi fasse pas la route avec le double door cancel qui s'assure un 51. Parce qu'en vrai, pas facile le double door cancel, hein. Mais tellement swag. Only swag sur cette chaîne. Non, c'est pas ça ta question. Ma question, c'est quand t'es accroché le rebord pour remonter sans reclip inbounds. Ah non, ça, tu dois juste full droite jusqu'à que tu puisses plus full droite. Et quand Link qui s'arrête, tu fais haut, c'est tout. Tu target et tu fais haut. Faut juste que tu continues à faire haut pendant un petit moment, sinon tu vas reclip inbounds. Et le truc qui est relou, c'est qu'il faut pas que tu fasses haut trop longtemps, sinon tu vas sauter out of bounds dans le vide. Tu peux toujours te rattraper avec la feuille mojo, mais c'est relou. Oh, pas de cochon pour une fois, let's go. Parce que only fast way, Yasoda. Est-ce que je suis quelqu'un qui va slow ici? Et puis surtout, Yasoda, en fait le truc c'est que j'avais pas le temps de timer les routes. Il y a plusieurs routes qui sont possibles, on n'a pas eu le temps de les timer. Et vu que j'avais pas beaucoup de temps cette semaine, je me suis dit go run la route que je pense être la plus rapide, même si c'est la plus dure. Et on verra bien. Début de semaine prochaine, on timera les routes, on verra c'est quoi la plus rapide. Oh, let's go. Pas storage par contre. Oh, let's go. Ah, j'aime pas trop, mais un petit refill s'il te plaît, de plus. Évidemment. Ah, j'aime pas du tout. Oh la vache. Au moins j'ai de la speed. Thank you.
pas du tout. Pas du tout, Alois. La fumée, Alois. Mieux, Alois. Ouh, je sais pas si ça fonctionne. Ça fonctionne. J'ai bougé. J'aime pas du tout ce qui se passe. S'il te plaît, ne glisse pas. Merci. Allez, bon split là pour l'instant. Fais-moi pas peur comme ça. Yeah, it's pretty nice, Ace. It's not easy though, because you need to do the double door cancel route, which is really flippy. The route is so cool, but the double door cancel in it is not the best. Dommage. Un seul chou sur la droite, j'aime. Voilà, un petit effort. On fait un petit effort, s'il vous plaît. Et j'ai toujours peur, hein. Mais pour une fois, c'est un bon split. Allez, let's go. Ça, c'est un bonheur, les games. J'ai pas sauvé la minute 50, mais 1 minute 30. Et c'est beau. Avec ça, je peux tanker un gros fail. C'est ça qu'il faut se dire. Door cancel loupé ou le Greyfish cutscene skip loupé. Il faut pas faire de gros fails. Non, vas-y, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Ta mère. J'aurais dû laisser poser plus longtemps. Pourquoi j'ai pas laissé poser plus longtemps? My bad de fou. J'aurais dû juste laisser poser plus longtemps, ça passait 100%, genre. J'ai entendu le disque bouger, ça voulait dire que ça était en train de charger. Donc j'avais qu'à poser plus longtemps au lieu de spammer les pauses et de me noyer trop tôt. Bref. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rechargé mon swim un peu trop loin, du coup j'étais en dehors du cadran de l'île des poissons.
Du coup, l'île n'a pas préchargé. C'est pour ça que je devais poser en rentrant dans l'île pour la laisser précharger avec la cotine. Mais j'ai posé, j'ai enlevé la pose tout de suite comme un guignol. J'aurais dû laisser poser. Après, je me suis noyé, du coup. Du coup, je pouvais plus poser. C'est pas plus compliqué que ça. Il fallait que je me plante, évidemment. Pas facile, hein. Ok, très propre. Bon, ça peut toujours pibi, hein. Ça peut toujours double vert. Normalement, il me semble que je vais pas être trop derrière. Et je vais même peut-être être en avance. Mais ouais, c'est dommage. J'ai pas réussi, j'ai de nouveau pas réussi à amener une run au deuxième door cancel avec une minute 30 d'avance. A chaque fois, je fais une grosse erreur et à chaque fois, je retombe à moins 10, moins 20. Relou. Envie de relancer des runs. Il faut que j'aille dormir après. Oh là là. Est-ce que dormir c'est pas pour les faibles au final? Moi je pense que oui. Hein. Bon allez, la carte de Tingle on sent. Contre-tape. Ce que je veux moi c'est le Tingle Tuner. D'ailleurs je vais déjà l'allumer maintenant que j'y pense. Oh, c'est painful. Oh là là là, c'est painful. Oh, son père, c'est painful. Vas-y. Hein. Vas-y, on tank avec difficulté. Hein. Oh, ça met trop le seum. J'avais une bonne run. Mais je suis le champion pour ça. Hein. J'ai une bonne run, je troll sur le split d'après. J'aime trop faire ça. Et regarde, je suis même plus en avance. Ouais. J'ai pas eu une seule run à moins 30 au deuxième door cancel, ça met trop le seum. Alors que je peux tellement. Allez, go Pibi. Go Pibi et rien d'autre. On s'en fiche. Go sortir cette run des enfers. Oh
En vrai, c'est pas des trucs qui sont inratables, hein, mais. Mais vas-y, quoi. Après, en vrai, si je rate le door cancel et que ça me permet de relancer une run vite fait, ni vu ni connu, pourquoi pas? Au final, pourquoi pas, hein? Ah ouais, ça passe ça? Ok. Écoute, je prends. J'espère que j'ai pas planté le setup par contre. Nickel en vrai. Et maintenant il faut bien viser. C'est plutôt bien visé, ouais. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien le concept. Boum. Boum. Allez, go ramener ça à la maison là. C'est pas grave si on a pris plus de 2 minutes sur un seul split. C'est pas grave. C'est du time save pour la prochaine run. Allez. Yo Amael. Bienvenue à toi, bonsoir, bonsoir. Ah, y'a pas des Delmarok Swim qui tiennent là. Je vais même faire le setup pour le Elmarok Skip. J'en ai rien à faire. La régu avant tout. Oui oui, j'ai activé le tuner et j'ai même équipé déjà la potion de heal, Maneko. TKT. Tout est prêt. La forme et toi? Jimmy. En vrai, je peux pibit 30 secondes, hein. Avec une bonne late game. Avec une late game stylée sans plus, je peux pibit. Ce qui est équivalent à un WR, donc on va pas se plaindre. Et si je fais une late game moyenne, ça risque d'être chaud. Faut que je perde combien de coeurs? Faut que je perde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je fais tac, 1, tac, 2, 3, 4. 5, 6, ah ouais, j'en prends de là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non, 1, 2, 3, 4, 5, 7, ouais, je compte mes quarts de cœur de damage sur les pics. La dernière fois, je me suis planté, je sais pas pourquoi, on chill au lieu de dormir. Eh ben sache qu'on est ensemble.
passer direct dans, dans l'album de Yasuda. Avec ses clips où je chante. Allez, je vais pas faire le saut. On adore les setups. Vive les setups. On perd un peu de temps du coup, mais on arrive en late game et c'est tout ce qui compte. Hop là. C'est pas que El Maroc il sait pas viser, c'est que je suis tout fast. Je suis trop rapide pour El Maroc. C'est ça le... C'est ça la subtilité, Yasuda. Bon, du coup, on rentre en late game. Va falloir assurer le barrier skip into trial skip. Et après, c'est les dingueries avec le tuner. Faudra que je gère le débranchage et rebranchage du tuner pour faire le glitch qui me permet d'accéder au magasin de Tingle alors que je ne devrais pas. Ça va me permettre de faire un nouveau LA skip et un nouveau Puppet Game skip. Le LA skip, il est trop stylé. Je l'aime trop. Le Puppet Game skip aussi, mais... Il est trop stylé par à quel point c'est ridicule. Ouais, la skip c'est vraiment une dinguerie, j'aime trop. Surtout avec le timing de la potion de heal, tu l'actives vraiment dès que tu rentres dans la salle. Ensuite faut que tu te dépêches de prendre des dégâts. C'est quelle heure là? Ah, c'est 1h40. Oh, je pourrais tellement encore reset 53 fois. Vraiment, genre. Allez, nouveau glitch, ça donne trop faim. Hein. Donne trop faim. C'est à quelle heure qu'il faut que je me tire demain? C'est la question en fait. Laisse-moi regarder parce que. En vrai, c'est pas grave si je me couche tard. Si je peux dormir tard. Est-ce que je suis le premier sur la liste? Je suis le deuxième sur la liste. Oh maman maman. Ah mais ça va. Oh. Oh là là. Oh ça va. Oh attends mais ça va de fou. Oh non non non. Et on est parti pour faire des runs jusqu'au bout de la nuit. Hein. Non mais je vais dormir quand même. Je vais dormir quand même, t'es gâté, je vais juste me lever très très tard. On va juste décaler un peu le sommeil, c'est tout. Rien de grave. On va chill en speedrun au lieu de dormir comme Amael. Pareil.
En vrai, non, pas vraiment Yasoda. Faut que je voie avec, avec le spécialiste sur place, mais il sera pas là genre 50 milliards d'années avant, donc. Donc pas vraiment. Let's go les insomniates qui sont contents. Surtout s'il y a pas Marco qui stream. Je sais pas s'il stream là. S'il y a des insomniaques qui ont l'habitude de regarder Marco jusqu'à 4h du mat. Ils se retrouvent perdus sur ma chaîne. Potentiellement. Bon allez, pas se faire d'Aronhead. Fait. C'est bon, faut tenir. Voilà, s'il n'y a pas Marco, faut tenir compagnie aux insomniaques. Moi je fais ça pour vous, hein. Je fais pas ça pour moi. Regardez comme je suis altruiste. Moi je pense avant tout à mes viewers. Et même pas à mes viewers, je pense à ceux de Marco. Non mais je suis trop un bon moi. Tellement un bon. Me remerciez pas. Bon allez, barrière skip, j'espère pas me prendre le karma sur le barrière skip. Faut que je prenne une bombe. Bomber à un cœur. Pour plus tard. Let's go. Oh, ça aurait été insane si j'avais pas dû recommencer le setup. Et autre agir, ouais, ça fait un bail. Tragivre. Bon allez. Vu que le trial skip avant les dingueries. Avant les dingueries avec le tuner. Vous allez voir, la skip est trop cool si vous avez jamais vu. J'espère le réussir parce que j'ai juste les rubis qu'il faut, du coup j'ai pas le droit de me planter. Hein. Mais c'est souvent comme ça en speedrun, t'as pas le droit de te planter. Hop, et on gagne du temps. Ah ouais, ok, d'accord. Ah c'est ma spéciale, bon que c'est ma spéciale. C'est juste pour me mettre... pour me mettre dans la zone. Ok, nice, j'ai un de magie, c'est très bien. Ça marche.
Ouais, je vais me mettre à un cœur, ouais. Je vais prendre full magie. On va jouer safe. On va jouer safe avec la full magie, je me mets à un cœur, comme ça j'ai deux bombes sur le cutscene skip. Envie de tout casser. Nice. Je sais pas si j'ai perdu trop de temps. J'espère pas. Oh, ça peut encore pibi. Allez. Spam fort. Tu fais bien, Ronaldo, tu fais bien. Ah, je vais pas trop grid non plus. Allez, on prend, j'ai joué safe, mais on prend. Ça vient de sortir, Amel. Hein. Tu viens au bon moment, parce que ça fait 5 jours. Hein. Ça fait 5 jours. Et là, cette fois-ci, j'ai 3 cœurs, les gens. C'est tout droit, c'est tout droit. On va essayer de sub 52, quand même. Et une petite pensée aux 2 minutes que j'ai perdu sur les bombes. Allez, hein. Wouah. Et c'est pour ça qu'il faut never give up, hein. Oh, ce serait tellement bien de PB. Je vais tenter le one cycle, j'en ai rien à faire. Ensuite, si ça marche pas, je vais jouer safe. Et puis voilà. Allez, je peux encore me planter, j'ai que 20 secondes d'avance. Vu que je vais tenter le one cycle sur la première phase, je peux mourir, même si j'ai 3 cœurs. J'espère pas. Mais on y go, hein. Ouais, le non, mais le sub 50 est totalement faisable. Hein. Une run qui aligne tout, c'est sub 50. Vraiment. Alors, est-ce que c'est free? Pas sûr. Mais en tout cas, c'est faisable de fou. Vraiment. En tout cas, ce sera un peu l'objectif maintenant. C'est un peu le nouveau gros objectif de Wind Waker. Essayer de le faire le sub 50. Et ça, ce serait le feu, quoi. Ce serait le feu. Ça, t'as les deux Wind Waker à sub 50, non? Il est à combien HD maintenant? Il est à sub 50? Ou je fume? Ou je suis en train de fumax un max? Je sais plus à combien il est l'HD.
Zap de fou, même sans la route double d'or cancel. Ouais, pour un peu, même sans la route double d'or cancel. Ben, t'as qu'à regarder mon sum of best. Mon sum of best, il a 48-15, genre frère. Vu que mon sum of best, il a 48-15, je pense qu'avec une autre route qui est plus safe, mais qui est plus régue, t'arrives à aller chercher à crusher un 49. T'arrives. Mais j'aime trop ça, Grid. J'aime trop ça, les d'or cancel. Ah ouais, le HD, il est à 45-16, ouais. Ok. Il faut encore voir à quel point faut timer. Début semaine prochaine, je vais essayer de timer un petit peu plus en tout cas les routes et tout pour se rendre compte un petit peu mieux de combien de temps tu gagnes ou pas avec le d'or cancel, si c'est vraiment rentable de grid cette route d'or cancel. À voir. C'est Guy qui est parti dormir et qui a dit genre j'espère qu'il va pas pibi. C'est Led Black, non? Je sais plus. Hein. Que dis-je, Pibi? Double vert. Oh, c'est trop stylé à part ça. C'est trop stylé. Des nouveautés sur Windmaker. Quel dinguerie. Ouais, je suis capable de mourir, je sais. Je vais me concentrer, arrêter de lire le chat. J'ai déjà vu un meilleur combat. Hein. Bref. Bref. Hein. Mais enfin bon. Le sub 22. Ah oh, si c'est bon. Oh j'ai eu peur. J'ai eu peur de pas faire le sub 22. Let's go WR. Oh c'est trop bien. C'est trop bien. Dommage pour Ganondorf qui était sloppy. Mais trop bien. Thanks for the GG's guys. Beatable to... It's so beatable. I lost 2 minutes to the bomb split. So yeah. Much better to come. Mais c'est WR. Même s'il y a bien mieux à faire parce que j'ai perdu 2 minutes sur les bombes, c'est WR, c'est trop bien. Je vais upload ça demain tranquillou. Comme ça vous aurez la rediff. Mais trop cool en vrai, trop cool. Merci pour tous les GG. En vrai un WR, un sub 52, hein. Waouh, c'est trop stylé. Vous ce week-end les gens, je vais pas pouvoir run parce que je suis ultra occupé. Mais allez follow Iwabi74, il va faire des runs, il a des chances de mob up, hein, vraiment. Donc n'hésitez pas à aller regarder si vous êtes en manque de Windwalker. Moi je reviens début de semaine prochaine. Mercredi ou en début de semaine prochaine. Oh c'est trop stylé, hein, trop stylé. Petite capture d'écran là. Allez. Et vous savez ce que je peux faire? Qui serait du génie? Ce que je peux faire, c'est que je peux essayer de faire un smile avec l'input viewer into capture d'écran. Ça, ce serait stylé, ça. Ça, ce serait le feu. Attendez, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire ça. Ce serait pas fou de faire ça?
La Triforce. Ouais, mais ça, je sais pas si j'arrive à faire. Hein. La Triforce, je sais pas si j'arrive à faire. Hein. Attends, attends, attends. Comment c'est déjà? C'est comme ça. Ah, je vais y arriver. Je pense que je vais y arriver. Ah non, il y a un problème. Ah oui, voilà. Regarde-moi ça. On va quand même passer les crédits, hein. Voilà. Comme ça, je peux tweeter. Hey, je suis content. Ouais, la route est trop cool, hein. Mais je vais en faire, hein. Du N%, je pense que je vais en faire dans la semaine qui vient et tout, parce que c'est trop fun. Et puis en plus, il y a tous les timings à faire et tout, il y a tellement... Enfin, la nouveauté est dingue, genre ça donne tellement envie de refaire du Windwalker. Alors que je commençais tellement à en faire beaucoup que j'étais là, bon, on va faire un peu d'autres jeux et tout. Et au moment où j'ose même penser à faire un peu d'autres choses que Windwalker, boum, nouveau glitch. Ne jamais douter de Windwalker, jamais. Comment ai-je pu oser douter en fait? Je sais pas, mais quelle erreur. Quelle erreur. Hop. C'est tweeté. Le LA skip doit absolument être autorisé en OMSS. Mais je pense que ce qui va se passer, Ronano, c'est que le plus probable pour le ruling qu'on va avoir en OMSS et pour toutes les catégories, je pense que le plus probable, c'est qu'ils vont séparer. En fait, ils vont séparer, ils vont faire une run no MSS où tu auras le droit de faire le LA skip, le Puppet Gun skip, etc., etc. Même si ça fait quelque chose qui est plus proche du N%. Enfin, Puppet Gun skip, plutôt le Mortover. Plutôt le Mortover. Mais ouais, le LA skip, vous avez vu cette dinguerie, c'est trop stylé, hein. C'est vraiment trop stylé. Et encore là, j'ai joué safe dessus. En vrai, quand tu rentres dans la salle du LA skip, ce que tu peux faire, c'est rentrer avec un quart de cœur de plus et te dépêcher encore plus pour prendre des damage. Et du coup, la potion de vie, elle arrive vraiment pile au moment où il faut. Là, j'avais encore un peu de marge. Ah ouais, j'avoue. Attends, je vais poster. Je vais poster sur le Discord. Oh, il y a Muxy qui m'a envoyé des DM. Oh là 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 là. Ok, attendez. Je vais l'ignorer pour une fois de plus. Et je vais envoyer mes... Non, putain, faut que je lui réponde. Hein. Faut tellement que je lui réponde. Non, mais c'est l'occasion. J'ai fait un double vert. Je vais lui répondre. Je vais mettre mon personal best. Ah ouais. J'avoue qu'il y a des gens qui... Il y a des gens qui s'impatientent. Attends. MDR. Ils me butent de rire. Ils sont là avec leur emoji eyes pour attendre que je mette le screen. Ils me butent de rire.
Ah, trop bien, je suis trop content. Même si c'est pas genre un huge PB, je suis trop content parce que j'ai réussi à PB. Genre vraiment, c'est trop cool. Et puis on va continuer, hein. On va continuer à descendre. Hein. Je laisse les crédits et tout pour la VOD, les gens, comme ça je vais pouvoir arrêter le stream tranquillou après, faire un highlight, le mettre sur la chaîne YouTube. Enfin, je vais d'abord exporter et tout, et demain matin, avant de partir et devoir faire tout ce que je dois faire, je mettrai sur YouTube et tout. Et sur speedrun.com aussi. Moi, ce que je trouverais stylé, c'est de garder un OMSS où... Bah, en fait, c'est dur. C'est dur à dire. Mais c'est vrai que c'est cool d'avoir des catégories no manual super swim où les gens qui aiment pas le manual super swim puissent run le jeu sans manual super swim. C'est vrai que c'est très cool. Tu vas la submit même si tu vas la battre dans une semaine? Oui, c'est WR, je suis obligé, Yasuda. Je suis obligé de submit un WR, je peux pas faire mon flemmard là-dessus. J'ai plus l'impression que c'est un PB qu'un WR parce que du coup la run avec la nouvelle route n'est pas si folle que ça, mais c'est un WR. Et là, si on compare les splits, vous allez comprendre pourquoi. So now. Hop. Oh, par contre, le Windwalker 749 sub 750. Stylé, frère. Into FF1 qui est vraiment pas ouf. J'ai 20 secondes à gagner, mon gold n'est pas encore fou. Et la découlif, en vrai le split est fort. Perdre seulement 20 secondes sur la découlif, c'est vraiment pas mal. Par contre, parce que le split découlif est vraiment pas facile. Par contre les bombes... Bref. Le split des bombes, si jamais, il est 3 fois plus fin, plus simple que le split de la découlif. Voilà, c'est pour mettre en perspective. Voilà, split dur, 19 secondes à gagner. Split 5, split simple. 1 minute 54 à gagner. Bref. Donc voilà, je fais un bon split de bombe, c'est parti pour le sub 50 quoi. Oui, c'est ça, comment summoning sale peut faire le WR progression si on submit pas. Ouais, les bombes c'est sad hein. Mais autrement le reste, Enter El Maroc était vraiment propre en vrai. FF2 c'est ben El Maroc, j'ai joué safe. Mais c'est ce qu'il faut, tu perds peu de temps. Le barrier skip était bien. Light arrow skip, j'ai perdu un petit peu de temps sur le trial skip plus que le light arrow skip. Puppet Ganon cutscene skip, j'ai perdu pas mal de temps. Je me suis fait avoir par la bombe et tout, là ça met un peu le seum. Donc j'ai quand même des secondes à gagner sur la late game, ça fait plaisir. Le tuner Puppet Ganon skip, j'ai joué safe. Je peux gold encore de pas mal en vrai. Je peux gold encore d'une dizaine de secondes, je pense, un truc du style. Donc en vrai, j'ai une trentaine de secondes à aller chercher sur les deux avant-derniers splits, plus Ganondorf qui était pas fou. Donc en vrai, là, tu vois, la run est trop bien. La run à. Les splits à run contre sont trop bien. J'ai eu un early game où j'ai genre 2 minutes à aller chercher. C'est le rêve. Into, quand même, des dizaines de secondes à aller chercher sur les 3 derniers splits. C'est vraiment trop bien. Je vais run contre ça, je vais être tout sourire en fait. Non, vraiment, vraiment le feu. Allez, dernier petit son now. Et puis je vais vous laisser les gens. Je vais vous laisser. Merci d'être passé comme d'hab. Ça fait plaisir. Et puis voilà, je vais voir s'il y a encore quelqu'un qui fait du speedrun à cette heure-ci. Et n'hésitez pas à aller regarder Iwabi ce week-end. Il y a des chances qu'il me batte et ce serait trop bien qu'il me batte. C'est trop le feu si on a un peu de compétition sur Windwalker.